Donc pour préparer le rallye Madinina, donc on a commencé aujourd'hui à démonter la Saxo pour montrer, donc pour changer les différentes pièces que je vous ai montrées précédemment. Le Martigny Rallye Tour est un gros rallye. Donc au niveau des spéciales, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très lourd parce qu'on va tourner entre 10 et 12 spéciales. Entre les liaisons et les spéciales, on va tourner à peu près à 300 km, donc en 2 jours et demi. Donc c'est quelque chose qui est très lourd physiquement, mentalement et au niveau préparatif. Donc sportivement, c'est vrai que pour le physique, donc, on fait que conduire ou piloter, mais c'est vrai que physiquement, on a besoin de se mettre en condition. Donc c'est vrai qu'on va faire une petite préparation physique pour un peu se muscler, prendre un peu d'endurance et du cardio. Mentalement, c'est vrai que c'est très très lourd. Voilà. Entre le stress, moi en tant que pilote, du pilotage, le stress de la voiture, la concentration, les chaleurs que l'on a, puis la fatigue pendant 2 jours et demi. Donc c'est vrai que mentalement, on a besoin de se préparer bien en avance sur notre préparation mentale, physique. Tout ça va être bien lié. Et ensuite, donc, on a la préparation de la voiture et des reconnaissances. Donc sur la voiture, donc, moi ce que je veux faire, c'est que préparer la voiture le plus tôt possible pour pouvoir prendre du temps à affiner certaines choses, faire des petits essais aussi. J'apporte un grand soin sur le réglage du parallélisme. Malheureusement, en Martinique, on n'a pas d'infrastructure, ni de piste, ni de circuit pour pouvoir essayer nos véhicules. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir se préparer sur des rallyes et de pouvoir avoir des véhicules qui correspondent à ce qu'on attend, sans pouvoir les essayer avant. Sur les reconnaissances, donc avec Nicolas Panzo, donc le copilote de la Saxo, on va commencer donc nous à se préparer sur les anciennes notes que j'avais l'année précédente, donc la saison 2018, sachant que le parcours ne devrait pas totalement changer. Donc on va commencer à travailler sur les notes que j'ai, et ensuite on partira donc sur les spéciales en reconnaissance pour prendre certaines notes et affiner certaines notes pour pouvoir améliorer donc mon pilotage, notre relation et nos chronos bien sûr. Donc rendez-vous pour les reconnaissances.